Alors, quelqu'un peut ajouter quelque chose. Pas ça. Pas ça, vous avez dit que vous avez tout compris, mais apparemment on parle de plus, vous ne comprenez pas. Oui, c'est bien. Le mal était à Nicosie. J'ai dit tantôt qu'il y avait la T-Mien. Après la T-Mien, on avait le 02, 02, 03. Après le 02, 03, on a le 03, 05. Après le 03, 05, on a le 05, 08. Après, on a le 1.1 et non le 1.3. Donc le 1,1. Après le 1,1, on a le 1,8. Après le 1,8, on a le 2 milli. Du moins, ce ne sont pas les tailles standards pour tous les aliments. C'est, en fait, ce que nous, on utilise ici. Ce sont les tailles que je vous donne, ce sont les tailles que nous, on utilise ici. D'accord. Quelqu'un va me donner 5 des 8 étapes de la reposition. Oui. La sélection des parents. Mm-hmm. L'injection des hormones. L'injection. Oui, oui. La fertilisation. Oui. L'incubation. Oui. L'incision. Oui, l'extraction des gonades des testicules. Oui, ça c'était un des autres. Est-ce que quelqu'un peut me donner 8 étapes par ordre? Paul. Oui. Vas-y. Oui. La troisième étape, il y a le temps et l'attente. Le temps de la stabilisation, oui. La troisième étape, il y a la non. Oui, oui. Et la quatrième étape, il y a non. 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 Oui. Après l'extraction, la fertilisation. Oui. Après la fertilisation, l'incubation. Oui. Après la fertilisation, c'est le suivi. Oui. L'éclosion. 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 Dans l'éclosion, on va essayer les clés. Et après, ce sera le suivi des larves. L'alimentation. Ok, quelle est la différence majeure entre les étangs et les bacs hors sol? Les étangs et les bacs hors sol. Les étangs et les bacs hors sol. Les assistances médicales sont plus supervisées sont plus suivies dans les étangs, dans les bacs. Celui qui ne peut pas en français parle en anglais. Medical assistance is really more to the concrete tank, to fish bread in the concrete tank than more than the edible food. Because the edible food is supposed to interact with themselves and no more human activities in the food than to the edible food. Ce n'est qu'un seul élément, oui, c'est là d'avoir bien. Secondly, calibration is more easier. Oui. The selection between the big and the smaller is more performant in the concrete tanks because they are congested and the water is clean and you have to it's not in a vast area. While in an edible pond is usually large, there is more is muddy and the appearance of fish is not equal because of the state of the water which is usually greenish and makes calibration to be very difficult. Exactly. Second, the production. Production in a concrete tank is more expensive than in an edible pond. That is, in a square, in a, in
is square cube. What's the definition of intensive? Intensive, more is the production of more fish. More what's the characteristics of intensive? There's more yield. More yield and more input, more work. No. Production of a greater number in a small area. Wow. So what else? What else? Là, les banques vont consolider plus facile de repérer les maladies qui affectent les poissons. Oui, il a dit ça. Il a dit ça. Vas-y, on t'écoute. C'est très bien. Je veux juste que tu sois plus précis. Vas-y. Non, continue. Provision of nutrients or feed. Feed is provided by man in concrete tanks, while in edible ponds is more given by phytoplankton and zooplankton. Mm-hmm. And sometimes a human being interact in giving some simple alimentary to the fish. Mm-hmm. Talking about the biological strength of the fishes, in edible ponds they have a stronger biological makeup than in fish that are in concrete tanks. Because of their interaction with bacteria and other pathogens, they tend to create resistance. While in those in the concrete tanks are susceptible and due to the continuous control given to them, that is avoiding pathogens and other bacteria, they tend to be more weaker than those in the living pools. That is cool. Voilà, il faut applaudir pour lui. Il a très bien compris. Il a très très bien compris. Et je vois que tu as plus compris ça que le jour où nous sommes descendus là-bas. C'est ça, non? Parce que toutes les explications que tu as données, c'était beaucoup plus par rapport à là-bas. Ok, super, c'est très bien. J'espère que les autres ont pris les nôtres, vraiment. Toi, qui là, tu avais tes cheveux comme un mari, tu devais dire la même chose. Tu t'as que lui dire. Non, tu es à côté de lui, tu dors. Qu'est-ce que vous savez du grossissement dans les bacs hors sol? De manière générale, oui. Si on dit grossissement de poisson, quelqu'un vous appelle, il vous dit je veux grossir le poisson et il ne sait pas comment faire. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Scratching. Oui. Nourrissage, oui. Les intervalles.